Alors, ces glaces, j'en mangerai même pas. Hello, les chouchous, bibi doudou. Voilà ma nouvelle coupe. Ouais. Alors, comment vous dire? La retraite approche à grands pas. Heureusement, parce que pour l'instant, marché, vous voyez, j'étais faire des courses, mais j'aurais pas dû. Bref, alors, je vous montre. Allez, vous allez halluciner. Je suis sur mon canapé. Hein. Voilà, déjà un sac. Un. Deux. Celui que j'ai payé 15 euros, il est. Mais alors, si vous saviez, franchement, j'ai rien senti au niveau du dos, mais là, à mon avis, il fait 20, il fait 15, 10 kilos ou 8 kilos, je sais pas. Il est très lourd. Et puis là, j'ai d'autres courses que je vais vous montrer. Alors, les petits chouchous, est-ce que ça va? Vous allez bien? Vous voulez des nouvelles de Ciboulette? Oui, vous voulez des nouvelles de Ciboulette? Ben, je ne sais pas où elle est, Ciboulette. Celle qui est riche, là, qui a de l'argent, là. Qu'est-ce que tu veux? T'as fait des courses? Ben oui, t'as fait des courses. Et alors? Eh ben, c'est quoi tes courses, là? Oh là, non, c'est pas possible! Mais moi, je veux du caviar, je veux du champagne, je veux du foie gras. Et toi, qu'est-ce que t'achètes? T'achètes ça? Mais franchement, des croissants, tu les as payés que 2,50! Oh, mais c'est une misère! Moi, j'en paye même pas un, 10 euros. Mais vraiment, t'abuses, hein. 2,50, tout ça. Oh, pff, franchement, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Elle est partie, elle me saoule. Attendez, vous rendez compte? Franchement, elle, madame, c'est foie gras, caviar, champagne, gna. Eh ben, moi, c'est les 10. Il doit y en avoir 10, je pense. Ouais, il doit y en avoir 10. Les 10 croissants peints au chocolat, 5 et 5, voilà. 2,50 €. Franchement, c'est pas cher, hein. Honnêtement. Après, j'ai acheté une barre. Ouais, bah, je suis sûre que ça va pas lui plaire encore. Parce que voilà. J'ai acheté une barre cake moelleux. Je l'ai payé 1,80 €. Mais franchement, mais que n'y pensez plus, c'est Saint-Michel. Peut-être qu'ils se sont trompés sur les prix ou c'est peut-être moi. Ce midi, je vais manger des coquilles. Une coquille Saint-Jacques, je l'ai payé 1,89 €. Franchement, elle est pas chère, hein. Ça, t'as payé ça à 89? Mais c'est qu'une misère. Moi, quand je vais dans les hôtels, je vais dans les hôtels de luxe. Je n'achète pas du Saint-Michel. Je vais au Mont-Saint-Michel. Je vais à la manger l'omelette de la mère Poulard. Eh ouais, je n'ai pas les mêmes moyens que toi, ma petite Sybille. Hein? Oui. Hein? Bon, elle nous saoule. Hein? Ouais, franchement, elle nous saoule, vous ne trouvez pas? Avec sa richesse de... ça va, quoi. Moi, je suis très bien comme je suis, hein. Je n'ai pas besoin d'argent. Hein. Voilà, eh ben, 1,89 € ou 2,40 €, je ne sais plus. Mais franchement, je vais l'essayer. Je ne la connais pas du tout. Celle de Mont-Saint-Michel, je vais l'essayer. Ensuite, j'ai pris des glaces. Alors, bien sûr qu'elle va nous dire qu'elle va aller à Fréjus acheter des glaces ou alors à Dubaï ou je ne sais pas où. On s'en fout. On s'en fout complètement d'elle. 2,55 €. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les adore. J'adore particulièrement ceux-là. Voilà. Avec la noisette dessus. Mmh. Et vous savez que je suis une gourmande. Et du coup, d'ailleurs, je pense à un truc. Vous savez que j'ai un ami qui est très, très riche. Mais très, très riche. Hein. Et je pense à lui d'un coup. Mais bon, il est vrai de ses sous. Mais voilà, c'est Louis Vuitton, c'est Prada, c'est machin. Voilà, mais moi, je suis désolée. Quand il vient dormir chez moi, il dort dans un matelas et dans un lit. Peut-être je me suis inspirée de Ciboulette pour je ne sais pas. Mais peut-être, il y a des fortes chances, je viens d'y penser. Donc, Tachito, si tu me regardes, tu t'attends à la maison. Comme maintenant, tu fais des cours de cordon bleu, eh bien, c'est toi qui feras la cuisine. Alors, ceci, eh ben, c'est des glaces. Il y en a combien dedans? C'est des fusées. J'adore parce que c'est à l'eau. Franchement, ça ne fait pas grossir. Et il y a à consommer, on s'en fout. Ce que je veux, c'est... Combien il y en a? 8. Il y en a 8. Eh ben, elles sont très bonnes, hein. Ça doit être toxique, acidité et pollution. Mais c'est pas grave, elles sont très bonnes. Je dois aller me faire manucurer. Mmh, mais oui. Et puis en plus, je dois aller me faire maquiller.
Elle, on s'en fout, elle se maquille pas. Elle, hop, un crayon noir et allez, hop. Hein. Mais moi, non. Hein. Moi, non, non, non. Hein. Je suis sa cousine. Hein. Ben oui. Hein. Alors, moi, je suis désolée. Hein. Alors, c'est glace. J'en mangerai même pas. Donc, elle est partie, là. Je ne sais pas où elle est partie. Elle a dû partir dans un bar ou, vous savez, elle a dû partir dans une... Ah, comment ça s'appelle? Un salon de thé. Elle a dû partir dans un salon de thé, je pense, ouais. Parce que là, elle est partie. Elle reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est pas encore pour nous saouler. J'ai pris 1,5€ des tucs au bacon. Je les adore. Ils sont très, très bons. Et franchement, j'adore ça. Et je ne vais pas arrêter de grignoter, je ne vous cache pas. Je ne vais pas arrêter. Je vais grignoter, grignoter. Je vous l'ai dit, ça, la coquille Saint-Jacques, j'ai payé 1,89€. Je vais la manger ce midi avec une petite salade verte et un demi-avocat. Alors, les petites pommes de terre, ça, franchement, j'adore. 1€. Vous les mettez au micro-ondes 6-8 minutes. Après, vous les épluchez. Ce qui est bien, c'est de ne pas les éplucher. Et vous les coupez en deux et vous les faites griller. Vous les refaites griller dans du beurre et de l'huile. Vous les faites griller et vous allez voir, elles vont dorer. Et après, la peau va croustiller et c'est une tuerie. 1€. Les avocats, il faut que je regarde parce que j'ai rien compris. Mais alors, j'ai rien compris. Les deux avocats, c'était 2,50. Sinon, c'était 2,38. Sinon, c'était... Non, là, c'était 2,50. Sinon, c'était 2,38. Sinon, c'était... Non, oui, c'était 2,50. Sinon, c'était 2,38. Et après, c'était marqué à côté les deux 1,76. Putain, t'as rien compris, moi. Je suis désolée si c'est 2,38 et que ça passe à 2,50, c'est... Bref, c'était 2,50 au lieu de 2,38. C'est n'importe quoi, ça aurait dû être 2,38 au lieu de 2,50. Bon, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Vous avez des boules d'oreilles. Ça sent rien l'avocat. Vous savez comment vous le connaissez parce que vous savez s'il est bon ou pas. Alors, je vais vous dire. Parce que moi, j'ai travaillé pendant des années dans une boutique de luxe. Ouais. Elle, par contre, l'autre, elle allait dans la boutique, mais moi, j'ai travaillé dans une boutique de luxe. Et en fait, il faut toucher ici, là, juste là. C'est là, vous voyez, si c'est mûr. Et là, c'est mûr. Vous voyez, là, il est mûr. Hein. Voilà. Vous touchez, comme ceci. S'il est mûr là, c'est que c'est bon. S'il est souple là, c'est que c'est bon. Vous pouvez le prendre, c'est qu'il est moelleux. Alors, ensuite. Eh, mais j'ai plein de courses chez mes potes. Attendez. Du pain de mie aux céréales, je l'ai payé 1,45€. Il faut savoir que la belle vie est moins chère. Il faut le faire. Hein. Là, j'ai pris des petits chewing-gums, 2,05€. Alors, pourquoi je prends des chewing-gums? Parce que quand j'ai de l'asthme, je peux faire des crises d'angoisse avec l'asthme. Enfin, c'est crise d'angoisse et asthme. Enfin, ça va ensemble, quoi. Mais pas des crises d'angoisse fortes. Je ne peux plus respirer, j'ai peur. Et du coup, je prends un chewing-gum et je me dis... Ça va, j'ai pris ma Ventoline, donc je peux prendre un chewing-gum et je respire. Ça, lasagne de saumon, je ne comprends pas, je l'ai payé 1,89€. Il faudrait que je regarde mon ancienne vidéo, combien je l'avais payé. Franchement, ça a l'air sympa. 1,89€. Et là, il est à 3€. Je n'ai pas compris. Voilà, mais c'est très bon. J'ai pris de la mozzarella... Je vais la faire avec des tomates, je vais la faire demain, je pense. Je vais faire ça avec des petites tomates. 1,09€. 89 centimes. J'en ai marre de perdre ma salade. Alors, je l'ai payé 89 centimes. Voilà, une mini laitue. C'est que des quarts de laitue. Qui va aller d'ailleurs, voilà. Ça va aller avec ça. Mais il m'en reste encore. 1,89€. Je ne sais pas pourquoi Saint-Michel et moi, en ce moment, on s'adore. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Tam Tam. 1,89€. Sans huile de palme. Encore heureux. Il y en a 10. C'est mignon, hein. Je pense que c'est des sachets individuels que je vais vous montrer. C'est des petits sachets individuels pour les enfants, pour l'école. C'est super. Tam Tam. Ou pour les vacances. Parce que là, c'est plus l'école, c'est les vacances. Ah, merde. Pardon. J'ai cherché mes frites partout. Elles vont être décongelées. Je ne sais pas combien je les ai payés. Il n'y en avait plus qu'un paquet. De toute façon, tout était vide.
3,99 les 500 grammes de France, de cerises de France. Je ne sais pas ce qu'elles valent. On verra bien. 3,99. Ça veut dire que moi, il faut que je mange des fruits. Ça, c'est un petit sac que j'avais eu. Ça, c'était ma bande si j'avais mal. Ça, c'est un petit sac que j'avais eu avec la Beautiful Box qui n'existe plus, qui s'appelle maintenant la Gloria. Franchement, je la déteste. Et du coup, c'est bien dommage parce que ça, c'était super, la Beautiful Box. Voilà, et je l'ai. Et Nadège m'a offert le sien. Et là, en tout, j'en ai pour 64 euros. Et là, voilà, je vais vous montrer. Ah mon Dieu! Alors, 2,49. Chocolat, noisette, raisin. Chocolat, noisette, raisin. Non, oui, raisin et noisette. J'adore. Je mange un carré, deux carrés tous les soirs. J'adore ça. Ensuite, j'ai pris pour 1,50€ des mix croquants. C'est noisette, amande, noix de cajou, cacahuète. Et je vous dis, je vais devenir une patate. C'est moi la grosse patate. Elles sont où mes bananes? Oui. J'ai pris ceci, 1,89€. Alors peut-être ça a augmenté, j'ai pas regardé le prix. Pareil, Saint-Michel. Mais qu'est-ce que j'ai avec Saint-Michel, moi? Ça va pas, non? Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui sera de Saint-Michel. J'en sais rien. Voilà, je les adore. Je mange ça, je mets une banane à l'intérieur et allez hop, j'adore. C'est super pour... Alors, vous savez que dans les melons, il y a les mâles et les femelles. D'accord? Alors, là, si je me rappelle bien, la femelle, c'est la petite et le mâle, c'est le gros. Et en fait, il ne faut pas prendre celui-là. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Il ne faut pas prendre celui-là, il faut prendre le gros. Mais l'essentiel, c'est que vous sentez sans rien. Alors, il sent strictement rien. Il vient d'où, celui-là? Oh, elles sont où, mes lunettes? Where is mes lunettes? Attendez. Aïe, aïe, aïe! Voilà, alors. Cueilli le 8 juillet. C'est français. Je ne sais pas. Ce n'est pas ceux-là qu'il faut prendre. C'est ceux-là. Et quand vous voyez qu'ils sont un peu craquelés, c'est qu'ils sont bourrés de sucre. Voilà. Et vous les touchez, normalement, vous les sentez, il y a mâle et femelle. C'est le gros qu'il faut prendre, pas le petit. Voilà. Parce que j'ai fait le contraire. C'est pas grave. Alors, l'autre fois, j'ai acheté des brugnons à la pièce, enfin, au kilo, dégueulasse. Mais vraiment, franchement, je me dis dégueulasse. Du coup, là, je me dis, tant pis, je préfère acheter... Ben, ils sont français, en plus, je pensais que c'était espagnol. Je préfère acheter des brugnons français. Ils avaient dit espagnol, ils sont français, donc c'est super. Et du coup, je préfère, parce que ceux que j'ai achetés l'autre fois, ils n'étaient vraiment pas bons. Donc, j'ai pris la petite barquette, 2,99€. Il faut savoir que je mange un ou deux fruits par jour, c'est n'importe quoi. 2,45€ du Emmental, cœur crème, des bananes. Bon, d'accord, tout à l'heure, d'accord. Je vous promets, tout à l'heure, les bananes, ok. 1,49€. J'ai pris, c'est un peu mouillé ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris de la salade Alaska 2,20€. C'est plus cher, hein. Je ne vous cache pas que c'est plus cher que la belle vie. Hein. Franchement, j'ai même pas de coca. J'avais pris un jouet pour Ivy, j'ai même pas de jouet pour Ivy. Pratiquement, j'avais pris à peu près la même chose. Confiture abricot 1,20€. De bonne maman. Des yaourts 1,29€. Ah, je les adore. Mandarine, citron vert, je les adore. Franchement, je les adore. Je pense que ciboulette, elle les aime bien aussi. La Richemann, là. Ils sont trop bons. J'en ai pris deux paquets. J'ai pris pour faire une petite salade avec des tomates et du concombre des cœurs de palmier, 1,49€. Ils n'étaient pas très chers. J'ai trouvé ça super sympa. J'ai pris des petites soupes, alors 1,19€. C'est la marque Auchan. Ils sont il y a beaucoup de sel. Ils font attention à mettre moins de sel. Mais de toute façon, moi, je prends un traitement, d'ailleurs, que j'ai oublié. Il va falloir que je le prenne ce matin. J'ai oublié de le prendre. Et
J'ai pris 1,89€ des petites terrines, il n'y en avait plus pour ma fille. Ainsi que l'autre fois, mais vous allez voir, de toute façon j'ai fait vlog et j'ai fait ça, vous allez voir. Après il y aura le retour de course. Eh bien ça en fait, il faut savoir que ça coûte 1,89€. Et j'en avais acheté, je ne les ai jamais retrouvées. La femme de ménage, je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'elle nettoie avec ça, je ne pense pas. Mais je ne les ai jamais retrouvées, jamais, jamais, jamais. Donc je me dis si je les retrouve tant mieux. Je ne pense pas qu'elle les a emmenées, hein, pas du tout. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Peut-être qu'elle ne les a pas utilisées, peut-être qu'elle ne les a pas vues. Voilà, c'est peut-être moi qui les a planquées ou j'en sais rien. Je ne les trouve pas. Donc, j'en ai repris un paquet. Voilà. Et on va appeler Ciboulette la Richman. Hein? D'accord. Comment elle s'appelle la star, là, qui a toujours les cheveux, qui a les cheveux roux des fois, qui est Paris Hilton. Voilà. Alors, on va l'appeler Ciboulette, ok? On va Ciboulette la richesse, la richman, moi je l'appelle. Allô, bonjour, oui. Ah, d'accord, vous êtes son secrétaire. Pourrais-je parler à Ciboulette la richman, s'il vous plaît? D'accord, c'est Cib, ok, on ne dit pas Ciboulette, on dit Cib. Ok, d'accord. Ben écoutez, est-ce que je peux parler à Cib? Puisque maintenant, elle s'appelle Cib. Oui, ben vous me la passez, ok. Allô? Oui, qu'est-ce que tu veux, Sybille? Dis-moi. Oui, mais je suis occupée, là. J'ai un brunch. Après, j'ai une fashion week. Je suis désolée, j'ai des interviews. Je ne peux pas. Et en plus, peut-être ce soir, je pars en jet privé. Oui, je vais inviter une star. Oui, je vais inviter une star. Oui. Qui? Mais non, mais je ne te le dis pas, tu vas être jalouse. Bah oui, tu vas être jalouse. Tu veux vraiment savoir? Eh bien, c'est Kinvi. Bah oui. Parce que moi, je veux du soleil. Et je veux sourire. La 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 la. Tu vois? Voilà. Donc, je vais chanter la chanson avec lui. Oui, vous pouvez en faire un petit duo. Au fait, est-ce que tu n'as pas oublié les yaourts clémentine citron? Parce que tu sais, c'est les seules choses que j'aime dans tes courses. C'est les choses de Mamie Nova. Je sais que tu as eu des gros problèmes avec la laitière. Donc la laitière, tu l'as mis de côté. Du moins les pots en verre. Mais là, par contre, je sais que j'adore cela. Ok. Je te fais des bisous. Tu peux faire des bisous à tes abonnés? Oui. Oh là là, c'est trop mignon. Tu leur fais des bisous. Et puis moi, je leur fais des bisous, bien sûr. D'ailleurs, c'est moi qui vais finir. C'est moi, Cible la pétasse. Ben oui, c'est moi qui vais finir. Eh bien, écoutez, sur ce, par téléphone, bien sûr, je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez et voyez là, la petite tête là. Ben, vous appuyez dessus et vous allez être abonné et vous allez voir que des choses merveilleuses. Vous allez voir Sybille. De temps en temps, vous me verrez, moi, un petit peu, de temps en temps. Maintenant, elle m'appelle Cible la pétasse, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous, je suis riche. Je vais penser à vous ce soir, parce que je vais être dans mon jet privé. Kinvi va chanter, je garde sourire. Et puis, je vais me prendre un petit pot de caviar, et à chaque grain, ce sera pour vous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et je voudrais faire un petit message particulier parce que je sais qu'il y a Miss Gazelle qui elle aussi, a le même téléphone que toi, Fib. Donc, si tu peux lui dire si elle peut me parler, ça m'arrangerait, tu vois. Je l'inviterai sur mon jet privé. Voilà. Allez, bye.